est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Cette semaine à Ski Mag, nous vous proposons un voyage au pays de la poudreuse en découvrant l'une des plus belles montagnes des États-Unis au Colorado, la station de Steamboat. Mais avant tout, suivons les descentes de Jean-Luc Brassard lors d'un voyage mythique avec Voyage Gendron au paradis de la poudreuse, le Japon. Le transport depuis Montréal se fait en tout confort sur les ailes de Japan Airlines, malgré les quelques 15 heures de vol. Jean-Luc et les skieurs arrivent directement à Tokyo pour y passer une journée avant de poursuivre vers les montagnes. On récupère les bagages et on se dirige vers l'hôtel pour faire la découverte à pied du centre-ville de Tokyo. Tokyo est la capitale du Japon. Elle est caractérisée par ses gratte-ciels, ses magasins de produits électroniques et de haute technologie et ses quartiers et petites rues aux atmosphères particulières. Le choc des cultures est très présent, mais la gentillesse des Japonais est indéniable et rend l'expérience plus facile. L'ère métropole de Tokyo est impressionnante sous ses 1000 lumières et sa vie trépidante qui compte environ 39,2 millions d'habitants. S'acclimater un peu, les voyageurs prennent une journée pour admirer la ville et décident de faire une visite en train. Les trajets sont nombreux. Il n'est pas si facile sans un bon guide de s'orienter dans cette grande métropole. Arriveront-ils à destination? La ville est aussi connue par ses nombreux sanctuaires shintoïstes et temples bouddhistes. Il reste très peu de bâtiments anciens à Tokyo à cause de leur destruction par le tremblement de terre de 1923 et des bombardements américains de la Seconde Guerre mondiale. Un des édifices les plus remarquables de Tokyo est la mode Gakuen Kukun Tower, un gratte-ciel ayant pour fonction une école de design et d'architecture. Après une grosse journée, nos voyageurs prennent un court vol vers Sapporo sur l'île d'Hokkaido. En route vers Niseko, ils sont heureux d'enfin trouver la neige. Il a neigé encore toute la nuit ici et les Japonais sont habitués à cela. Incroyable. Nos amis sont bien installés dans un condominium luxueux et très spacieux. On y retrouve toutes les commodités pour profiter des vacances de ski, même un jacuzzi offrant une superbe vue sur le volcan Yotei. A lot of snow, hein? On décide d'aller acheter les billets de ski. On est vraiment impressionné par la quantité de neige qui est tombée durant les dernières 24 heures. On en profite même pour prendre quelques photos. Il faut aussi s'assurer que tous ont le bon équipement pour skier cette belle neige poudreuse qui pourrait être très profonde. Depuis la montagne, on peut observer le mont Yotei, qui est un volcan. Ce sommet rappelle beaucoup le mont Fuji. Niseko, c'est quatre stations de ski interconnectées. Anazono, Gran Hirafu, Niseko Village et Annapurri.
25 000 mètres de dénivelé et l'altitude n'est pas un facteur. Restez là, Skimag revient après cette pause depuis Niseko au Japon. Il a neigé toute la nuit ici et il tombe en moyenne 18 mètres de neige par saison. C'est très impressionnant. Trouve de longues pistes désertes 6 jours par semaine et des skieurs davantage occupés au perfectionnement de leur technique de ski sur les pistes damées. Le voyage, on en a profité pour faire des clichés de ski, une passion pour Jean-Luc. Les skieurs, après quelques jours, avaient de bonnes jambes et ont décidé de partir à la recherche de neige vierge. C'est pas de bon sens. Yes, sir. Pour ceux qui en veulent encore plus, il y a des pistes de montée au-dessus des remontées mécaniques. Les plus téméraires auront accès à un tapis de neige de très haute qualité. Niseko Village est l'hébergement de choix au pied de la montagne de Niseko à Napuri. Après une bonne journée sur les pistes, vous pourrez prendre un bon verre au Flame Barn Grill ou bien déguster de délicieux tempenyaki au luxueux restaurant de style japonais Ren.
Les chambres avec vue vous laisseront sans mots et vous détendrez toutes vos courbatures dans le Hosen, ce bain d'eau chaude naturelle que l'on retrouve au Hilton. Niseko Boss offre des transports faciles vers les autres montagnes de la région. En route, le paysage est tout simplement magnifique. L'équipe a décidé de se rendre à Ruzutsu. Cette station est aussi un parc d'attractions en saison estivale et est très recherchée des Japonais et des visiteurs. Une contradiction véritable, mais un plaisir pour les skieurs. Ruzutsu, c'est trois montagnes, cinq versants et deux points de vue à couper le souffle sur le volcan Yotei à l'ouest et l'océan Pacifique à l'est. Soyez avertis ici, car si vous désirez vous aventurer dans les zones indiquées hors piste, elles sont strictement interdites sous peine d'amende grave. La chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. De plus en plus, les skieurs cherchent la poudreuse, des sensations fortes, des beaux paysages, donc ils aiment voyager. Il faut composer avec les restrictions des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes acceptent les valises à ski d'une longueur allant jusqu'à 200 cm. Le sac à ski Concourse de Dakine est conçu pour emporter deux paires de skis et les bâtons dans un compartiment bien rembourré. Ce sac allège aussi vos bagages car il accepte vos bottes de ski. Il est important tout de même de ne pas dépasser le 23 kg accepté. La solidité des roulettes est aussi un élément à ne pas négliger. Un petit conseil, procurez-vous un sac à dos où vous pourrez accrocher vos bottes de ski car les compagnies permettent de les apporter dans la cabine. Alors, c'est important d'avoir un sac à vêtements qui peut comporter tous vos vêtements de ville. Ce sac ici, c'est un sac qui a 5 kg. Dans les avions, vous avez le droit à 23 kg. Alors, comme vous pouvez voir à l'intérieur, vous pouvez mettre plein de choses ici, dans le milieu. Puis peut-être utiliser ça pour les bottes de ski pour répartir le poids. Qu'est-ce qui est important, c'est les roulettes aussi. Les roulettes ici sont en uréthane, c'est comme des roulettes de skateboard. Et puis, il y a l'armature ici en dessous qui empêche le sac de s'écraser. Puis, il y a une poignée extensible pour bien transporter le sac à l'aéroport. Alors, vous avez votre sac à vêtements dans une main, puis votre sac à ski dans l'autre main. Bon voyage! La prochaine destination que nous désirons vous présenter et qui offre une poudreuse légendaire se situe aux États-Unis, plus précisément au Colorado, la station de Steamboat. La montagne offre du ski sur 165 pistes balisées. Par contre, il y a aussi plusieurs acres de terrain skiable hors des sentiers battus, mais toujours dans les limites patrouillées de la montagne. Monsieur Bertrand, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Qu'est-ce que c'est à Steamboat? C'est un grand plaisir d'y être. Qu'est-ce qu'un Français fait à Steamboat au Colorado? Ah ben écoute, tu sais, en Colorado, à Steamboat, c'est tellement beau comme tu peux voir. La neige est fantastique, la ville est magnifique. Donc pour moi, c'est comme si j'étais encore en France. C'est très bien, quoi. Et vous êtes ici depuis plusieurs années? Ah ben je suis venu ici il y a 18 ans. Ça fait 18 ans que je suis ici, oui. Donc, la montagne, vous la connaissez comme le fond de votre poche? La montagne, je la connais très bien, oui. Oui, oui, oui. Vous êtes notre guide aujourd'hui. Vous nous montrez le plus beau de Steamboat. Par où on commence? Alors, ce qu'on va faire, Jean-Luc, on va commencer par prendre la gondole. Là, on va monter jusqu'au top de la gondole. Et après ça, on va aller sur Storm Peak, qui est pas tout à fait jusqu'en haut de la montagne, mais almost presque en haut de la montagne. Et de Storm Peak, tu vas voir, on va avoir une vue magnifique de la vallée. On va voir les montagnes, on va faire des pistes bleus et des terrains de bosse qui sont absolument magnifiques. Du haut de la gondole, on va sortir, on va prendre Rudy's Run, qui est là, sur Lightning. Lightning, on va aller jusqu'en bas de Storm Peak. On va prendre Storm Peak, qui va nous emmener jusqu'en haut ici, qui est environ un tout petit peu en dessous de 10 000 pieds environ. C'est quand même 3 300 mètres environ ici. 3 300 mètres environ. On a quand même une belle température, un petit peu de nuage, mais super. C'est vraiment bien, là. C'est souvent comme ça dans le coin? Souvent, on a beaucoup de ciel bleu quand même ici. Hein? Ouais. Mais là, c'est vraiment parfait, là. Steamboat est la ville du ski aux États-Unis et est à 267 km au nord-ouest de Denver, au Colorado.
Dites-moi, Marc, on parle de Steamboat, mais en réalité, c'est Steamboat Springs. On est loin de la mer, là, ici. Tout à fait. Mais alors, déjà, Steamboat Springs, comme le nom l'indique, on a beaucoup de geysers naturels. Le nom de Steamboat Springs est arrivé avec les trappeurs français-canadiens qui sont arrivés sur Steamboat et ils ont entendu le bruit naturel des geysers. Et pour eux, ça leur a rappelé le bruit que les bateaux à vapeur faisaient. Donc ils ont dit, on va appeler Steamboat Springs. Bon alors Jean-Luc, là, on va descendre, faire une piste damée pour se réchauffer un petit peu. Comme ça, après, on pourra remonter sur Storm Peak et faire un petit peu de bosse, là. Le réchauffement. Un petit échauffement, tranquille. Première bosse de l'année. J'espère que les fixations vont tenir. Ça tient. La station est située à l'encontre de plusieurs chaînes de montagnes, les monts Warner, Sunshine Peak, Storm Peak, Thunderhead, Pioneer Ridge et Christie Peak. La montagne ici s'appelait Storm Mountain. Et Buddy Warner était dans l'équipe de ski américaine. Il était le favori pour gagner une médaille. Malheureusement, il n'a pas gagné de médaille. Et tristement, Buddy Warner s'est tué en faisant une publicité en Suisse. Il a été tué par une avalanche. En son honneur, on a renommé la montagne Mount Warner. Qui par la suite est devenu Steamboat. Qui par la suite est devenu Steamboat, tout à fait. Question commerciale, probablement. Ça s'appelle toujours... Les gens font toujours référence à Mount Warner. Ah oui? C'est toujours Steamboat la ville, mais la montagne, on est toujours... On va aller sur Mount Warner. Là, c'est la statue de Buddy Warner. Alors, on a une tradition ici à Steamboat, c'est qu'on s'arrête, on prend le bâton, on lui tape gentiment sur la tête pour bonne chance. Aussi, avec cette statue-là, c'est aussi comment on mesure la neige. L'année dernière... Elle est un peu haute, là, en ce moment. Voilà. Alors là, tu te rends compte que la statue est haute. Pour te rendre compte de la neige qu'on avait l'année dernière, à la même époque, la tête de Buddy était ici. Oh là là! Donc, on avait quoi? On avait presque 2 mètres. On manque 2 mètres de neige, maintenant, par rapport à l'année dernière, à la même époque. La moyenne annuelle de précipitation est pas moins de 9 mètres de neige. On lui touche pour de la neige? Voilà, on lui touche pour de la neige aussi. Et d'ailleurs, il y a la Buddy's Run qui est juste ici. Et maintenant, on va aller à Buddy's Run. En son honneur. La montagne offre du ski sur 165 pistes balisées. Il y a aussi plusieurs acres de terrain skiables hors des sentiers battus, mais toujours dans les limites patrouillées de la montagne. Son élévation maximum est à 3224 mètres, tout en haut du mont Warner. Ses remontées mécaniques ultramodernes comme la gondole 8 passagers et ainsi que 15 chaises font de Steamboat un centre de ski complet. Marc, on a souvent entendu des Européens dire qu'ils rêvent de leur cabane au Canada, le mythe, l'image typique. Mais ici, à Steamboat, on est vraiment au pays du Far West. Là, on n'a pas simplement les montagnes rocheuses, on a les plaines, on a les grands vallons, tout ça. On est vraiment au pays de l'Ouest. Et comme tu peux voir au loin, là, à l'horizon, c'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment un pays extraordinaire ici. Je sais que quand je suis venu il y a 18 ans, quand je suis arrivé en ville et que j'ai vu la montagne, j'ai dit à ma femme, mais c'est pas une montagne, c'est une colline. Et la première fois que je suis monté à Storm Peak, je suis arrivé ici, j'ai regardé, j'ai dit, écoute, c'est tellement beau, c'est tellement joli, c'est comme le paradis ici. Et pour moi, vraiment, j'imagine le paradis juste comme ça. Et chaque matin, quand je viens au travail, ça fait 18 ans que je viens ici, jamais je n'ai été fatigué de regarder la nature telle qu'elle est. C'est tellement beau, on ne s'en lasse jamais. Nous espérons que vous avez apprécié notre émission. Nous serons de retour la semaine prochaine pour vous présenter encore plus de ski. Bonne semaine et bon ski! Nous désirons remercier l'événement Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur.
SkiMag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Si vous désirez plus d'informations sur cette destination de choix, consultez le site de Voyage Gendron. Ça va être pas. Je vais te ramener. Ah, puis il chante en plus.